On reprend. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Oui, ça, elle est voilà, sa soirée là. Ah, c'est parce que je me suis fait repérer en haut que maintenant je peux plus. Je peux plus le faire en fufu, c'est ça? C'est ça que tu me dis, Ghoul? Oh non. Je vous entends. Quelqu'un vient ici. Passez derrière vous. Ah, je vais vous trouver. Mais quoi? Je sais personne. Encerclez-le. Mais c'est un scandale. C'est un scandale ce qui est en train de se passer là. Laissez-moi loot. Ok. Et voilà. Une promotion pour celui qui tue. Ah. Attends. Attends, non mais là c'est pas possible, du coup c'est trop dur. C'est... quoi? Non mais si, je porte un masque normalement. Je porte un masque, c'est pour ça. Mais ça va être ultra chaud du coup, vu que je me suis fait repérer. En fait là je peux y aller en mode bourrin. Moi ça va, Bloody, ça va bien. Bah écoute, repose-toi. Quand on est malade comme ça, faut se reposer. Ah non, je recommence pas tout. Ah non, 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 non. Ah non, pourquoi tu veux que je recommence tout? Non. On va aller au jardin. On va passer par les jardins. Oui, oui, Ganistor, mais là, il n'y avait rien en fait. Là, il me repère directement parce que je me suis fait repérer sur les étages. Pourquoi je lui fais ça? Attendez, pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas compris. Hé, hey, on m'a dit de ne laisser monter personne. Retournez en bas, s'il vous plaît. Merde. C'est pas parce que j'étais à l'étage, je sais pas. Je sais pas, t'as essayé de te balader sans armes? Oui, j'ai essayé de me balader sans armes, Ganistor. C'est pour ça que je comprends pas. Bah oui, Big. Bien sûr, c'est tout à fait normal. J'attends juste que la vision elle s'enlève. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils me repèrent pas, alors pourquoi à l'intérieur on me repère? Je comprends pas. Encore? Oh non! J'ai besoin d'elle! Il a plus de tête. Ah ok, écoute, hein, tant qu'à faire. Personne ne peut m'aider. Voilà.
quand tu meurs. Mais c'est complètement con, enfin ce que je veux dire c'est qu'à ce moment-là ils doivent être en alerte tout le temps. Et pas seulement quand ils en ont envie en fait, enfin je trouve ça bizarre. Bonjour Maître Lancelot, comment vas-tu? Bonjour à toi. À l'aide. Aidez-moi, quelqu'un. Garde, quelqu'un, aidez-moi. À l'aide. Ok, il faut aller où? Faut aller à la cave. Faut aller à la cave là-bas. Mais je trouve ça, tu vois, c'est pas grave. Enfin, en soi, la mission est réussie. Mais je trouve ça complètement con. À moi, à la cave. J'ai besoin d'aide, personne ne veut m'aider. Voilà. Une tête. Il a plus de tête. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ici. Elle ronfle et tout quoi. Hop, allez. On lui ramène la nana. Elle est là. Dépêchez, faites-la monter. Enfin, mon amour. Un jour vous comprendrez. Comment ça ? Vous avez fait de moi le plus heureux des hommes. Un jour elle apprendra à m'aimer. Elle a toute la vie devant elle, après tout. Quoi ? Quoi ? Non mais... Oui, mais il y a marqué assassinée. Elle a été assassinée. Pourquoi elle est assassinée en fait? C'est. Non, il y a un bug là. Il y a un bug, c'est-à-dire que je l'ai pas assassinée. Quand, ouais, l'IA de la garde devrait pas te rechercher. Oui, c'est ça, j'ai illuminé en mode furtif et tout, ils m'ont pas vu. Donc c'est bête. Ah, ça compte comme morte, mais pas par moi. Ok, ok, ok. Il faut aller au bateau de Samuel. Il faut aller au bateau de Samuel. Est-ce que je peux m'échapper Je peux m'échapper par un autre endroit. Oui, aller dans les égouts. Alors on va passer par les égouts, du coup. Mais très très bizarre, cette... La mission était super cool, mais il y avait trop de trucs bizarres. J'ai adoré la mission, hein, je l'ai trouvé vraiment trop trop cool. Hein. Pour le coup, c'était sympa. Ok. Samuel, j'arrive. Pas grave, il y a les poissons qui m'attaquent. On s'en fout, là il y a un machin horrible. Mais c'est dommage, tu vois, c'est dommage que la furtivité soit pas restée. Oh putain, ils sont en train de fermer ça. Mais j'ai failli pas m'en sortir là. Mais je vais pas m'en sortir. Mais les poissons. J'espère que la soirée vous a plu. Ah bah c'était sympa, hein. C'était un peu comme les noces pourpres. Voilà. Bah, c'est pas un problème, c'est que le jeu est comme ça, mais je trouve ça dommage, tu vois, d'avoir fait le jeu comme ça. Au final, j'ai tué deux civils sans vraiment le vouloir. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un cadavre qui a été découvert, peut-être, je sais pas. Hein. Je sais pas. Mais bon, c'est dommage, j'avais quasiment tout réussi là. J'aurais pu faire en mode fantôme. Je suis sûre qu'en plus, c'est le plus simple à faire en mode fantôme. Je suis sûre que c'est le plus simple à faire en mode fantôme. Je suis dégoûtée. Voilà, je le dis, je suis dégoûtée. Ah oui, il y a une île, je m'en souviens pas. Je me souviens pas. Don a dit qu'il nous retrouverait ici. Il faudrait aller voir à la cave. Perdre sa famille, ça peut donner soif. Et vas-y, oui, mais moi ça m'est complètement sorti de la tête que j'ai assassiné une pauvre servante, hein.
Oh, puis pour elle, hein. Elle a qu'à pas être là. Dommage collatéral. Faudrait aller voir Lord Pedantle du Pedantle. Bonjour. Vous avez bien profité de l'hospitalité des boys. Oui. Lord Pendleton a hâte de vous voir. Je crois qu'il prend son encas matinal. Les citoyens doivent signaler lumières inexpliquées, bruits anormaux. Ah, il est là-haut. Conflits provenant des bâtiments évacués. C'est vous qui avez fait ça ? Oh ! Attends, quoi ? Non, je croyais qu'il avait... Ok. Allez, monte. Voilà. Bonjour. Bien joué. Nous nous sommes débarrassés d'une femme et une noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Ah, je n'ai donc aucun recours. Ok. Pour ma part, j'ai entendu que vous aviez défendu mon nom d'une façon plutôt spectaculaire et en prenant des risques. Je tiens à vous remercier. Ce petit objet a aidé ma famille depuis des générations. Ok. Mais je crois qu'il vous sera bien plus utile qu'à moi. C'est quoi ? Alors, prenez-le. La nuit a été longue pour vous, Corvo, mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok. En fait, je suis le larbin des gens, en fait. Ah, il m'a donné une rune. Il m'a donné une nouvelle rune. Et du coup, on peut peut-être prendre possession ? Bah non, on peut pas. Sanguinaire ou agité, permet de sauter ? Ouais. Déclenche ? Ouais. Je pense que je vais garder un peu mes points pour prendre le possession. Votre attention, citoyen de Dunroy. Et rue Elina. Les rues adjacentes au manoir Boyle. Rue. Et Sia. T'es fatiguée, t'es KO. Corvo. Emily se cache encore. Au début, c'était un jeu, mais c'est devenu une façon pour elle de se moquer de moi. Si vous la voyez, envoyez-la moi. Elle doit faire ses devoirs. D'accord. On va chercher Emily dans les rues. Allez, ça part. Où es-tu, Emily ? Vous pensez qu'elle est facile à trouver ou pas ? Emily ? Chut ! Je joue à cache-cache. Callista essaie de me trouver. Nous aimons bien ce jeu. J'ai aussi joué à cache-cache avec toi. Je ne sais pas pourquoi c'est si drôle de me cacher. Ouais. Tiens, j'ai trouvé ça au bord du fleuve, dans la boue. Je l'ai mis sous mon oreiller pour me porter bonheur, mais ça m'a fait faire des cauchemars. Je te le donne. Cadeau. Pourquoi il y a de la réverbe ? Je vais faire mes devoirs maintenant. Jouer à cache-cache, ça m'ennuie au bout d'un moment. Viens, Emily. Va faire Parfois, tes devoirs. Parfois, Callista parle dans son sommeil, mais on a du mal à comprendre ce qu'elle dit. J'aimerais bien avoir ma chambre à moi. Ouais, on peut pas tout avoir, hein. Quelles sont les îles principales de l'Empire ? Cerkonos, Gristol, Tivia et Morlaix. Et laquelle est la plus grande ? Gristol. Et c'est aussi la meilleure. Et comment fonctionne l'huile de baleine ? Question piège. Personne ne le sait. Pas même Pierrot. Et c'est moi ou le cœur il fait des... Cette demoiselle est un peu trop dissipée avec vous. Que de rire. J'ai l'impression d'entendre des battements de cœur, vous aussi ? Mais c'est une autre époque. Quand je serai impératrice, je n'aurai plus jamais à vivre dans un tel endroit. Mais qu'est-ce qu'il a, cet endroit ? J'ai rêvé que le fleuve n'arrêtait pas de monter, et qu'on allait tous au dernier étage de la maison, dans ta chambre. Puis que l'eau se transformait en... Non, jamais, Melmel. Jamais de jolis rêves. Ils sont bien, ces jeux ? Non, jamais. J'ai jamais joué aux fables. Pendleton est ici, quelque part. La rivière est la seule issue possible. Ouais. Et moi, je voudrais... Ah, ils sont juste au-dessus, ok. Ok. Là, j'ai l'impression d'entendre des battements. Tu vois ? Ce petit bruit, mais je sais pas. C'est tous peut-être dans ma tête. C'est sur PC et ça parle de quoi, Fable ? Ah, y'a personne! Ouais, tu l'entends aussi, hein? Il a vécu un peu le pub, ouais. Corvo, l'heure est venue. Un petit peu. Tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez fait, c'était pour que ce moment arrive.
Le Lord Régent est exposé, Corvo. Il est vulnérable. Tout est maintenant en place pour s'en occuper. Nous sommes à deux pas du trône. J'ai pas déjà fini le jeu. Un seul cœur qui bat. Voilà tout ce qu'il reste des forces qui ont amené cette ville au bord de la ruine. C'est simple, mais ce sera tout sauf facile. Le Lord Régent est plus paranoïaque que jamais. Il n'a plus le soutien des superviseurs, et... ni du Parlement. Il n'a plus de financement. Ok, ça va, j'ai cru que c'était la fin, j'avais dit renom. Sa technologie de sécurité. C'est à Dunwall Tower qu'il a rassemblé tous les hommes qui sont restés loyaux envers lui. Il sait que quelque chose se prépare. Il sait que vous venez. Et il faut tout faire pour lui donner raison. Pierrot va vous assister, puis Samuel vous rapprochera de la tour. Ok. Près de l'écluse. Tout ce cauchemar a commencé lors de votre dernière venue là-bas. Il est temps d'aller y mettre fin. Bonne chance, Corvo. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus, sinon que nos espoirs reposent sur vous. Ouais, y a Anguille sous roche, hein. C'est un truc à la Bioshock, hein. Ils vont nous la mettre à l'envers, ceux-là. Sur PC, la version remasterisée pour les 10 ans du jeu. Je sais pas du tout, mais je connais pas du tout Fable. Salut, chérie. Une fois, je me suis invitée à une fête chez les Brimsley. C'était plutôt bizarre. La nuit a été amusante. Ah bah, on a bien rigolé, oui. J'espère que vous vous êtes bien amusée là-bas. Oui. Ok. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, stupide pourceau. Qu'importe. Posez donc ça. Laissez les deux bouteilles. Ah non, mais ça, on a déjà écouté, non ? Je sais pas. D'écrire mes mémoires. Il faudrait que j'aille voir Pierrot pour améliorer quelques trucs en 2-2. Pierrot. Où es-tu ? Viens là. Vous voulez que je fabrique quelque chose pour vous ? Je peux tout faire. Oui ? Enfin, presque. Vas-y, fabrique. Je voudrais quelque chose. Alors, achat, amélioration. Botte furtive, allez. Botte furtive de niveau 2, allez. Réserve de balles, bof. Verre pour masque. Ah, pour voir plus loin, c'est bien ça. C'est bien. On va améliorer la portée de l'arbalète. Rechargement du pistolet. Ouais, on n'a qu'à acheter, mais bon, voilà. Allez, c'est très bien. Des bisous. Salutations, Corvo. Prêt à affronter le Lord Régent ? Il est temps qu'on s'occupe de lui. Je me suis dit, il a changé de voix. Je me suis dit, c'est bizarre, il a mué, Samuel, là. C'était pas la même voix que tout à l'heure. Mon Dieu. Ok. Vas-y, voilà. Vos derniers souvenirs de Dunwall Tower n'ont rien de réjouissant, pas vrai. Alors c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ça va faire une sacrée grimpette depuis l'écluse. La priorité, c'est d'abattre le Lord Régent. Il s'est construit un joli bunker en haut de la tour. La salle sécurisée, qu'il appelle. Il est complètement frappé. Quitte à jouer les touristes, il y a un autre endroit qui vaut le détour encore. La station de radiodiffusion. C'est de là qu'ils diffusent leurs annonces. Ça vaut le coup de jeter un œil. Vous êtes prêts ? La prochaine fois qu'on se verra, le Lord Régent sera mort. Sinon, j'aurai eu l'honneur de servir à vos côtés. Non, mais va y avoir une couille. Mais sûr, 100% il y a une couille. C'est obligé, ça peut pas se passer aussi bien, aussi vite, aussi tout. Merde. Ok. Ok. Ça c'est good. Mais ça suffit! Ça suffit, les rats! Oh! Mais des alternatives, on verra. On verra ce qui va s'y passer. Mais à mon avis, ça sent pas très bon.
faut que j'aille où? Même qu'il m'a dit pour travail. Comme je vous le dis. Il était à deux doigts de me serrer la main. Silence. Ben non, mais moi je... Mais non... Mais... Aussi là, qui peut se douter qu'il y a une... On va mettre la vision. Okay. Tous les nouveaux rapports de mission sont à remettre à l'officier de garde. Ok. Où j'aille là-bas? Des bisous. Bon, alors, parce que ça pue du cul. Du coup, on va essayer de se TP quelque part, genre là-bas. Voilà, c'est très bien ici. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas. Ok. À tout le personnel de Dunwall Tower, restez à vos postes et attendez de nouveaux ordres. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? N'en ai jamais douté. Pourquoi il s'est passé quoi cette nuit? Il faut que j'aille là-bas. Je peux pas grimper. Comment je vais faire? Comment je vais faire ça? T'étais pas au courant de quoi? Je peux pas passer par-dessus ça? Non, mais non! C'est un lien avec la bobine Tesla et Kita Oxy. Non, je savais pas. Ok. Le seul problème. Ah, je peux passer par là. Ok. Ok. On part en parcours à toute. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. C'est quoi? Maudit, vous allez saigner! C'est toi, tu vas saigner là, regarde! Bisous! Oh là là, je fais n'importe quoi. Alors, je fais vraiment n'importe quoi pour le coup. Capitaine Biarmont, je dois vous demander de parler avec un de mes hommes, le caporal Keyes. Ou Keyes, je sais pas. Réponds à vos ordres si mes informations sont exactes. D'après l'officier en service ce matin, Keyes se dirige vers le sous-sol et rencontre l'interrogateur royal. Je ne sais pas de quoi ils discutent, mais on raconte que Keyes s'intéresse à l'occulte. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas superviseur, donc je me moque de la façon dont il passe son temps lorsqu'il n'est pas en service, mais vous devriez l'éloigner du tourmenteur. Le sous-sol est hors limite pour nos hommes. D'accord, Major Hawking. Ok. Faut que j'aille là-bas. Ok.
Non, non, il va pas me voir, il va pas me voir, il va pas me voir. Ok, Dunwall Tower, ça y est, on y est. Ok. Votre rapport, Général Tobias ? Tous les étages sont sécurisés, Lord Régent. Vérifiez-les encore. Je vais descendre et me retirer dans mes gardes. Pardonnez-moi, monsieur, mais il vaudrait mieux que vous restiez dans la salle sécurisée du toit. J'ai besoin du confort de mon lit ce soir. Ok. Vos hommes et vous pouvez assurer la sécurité de la tour. Doublez la garde si ça vous chante. Passez me voir avant d'avoir fini vos rôles. Comme vous voudrez, Lord Régent. Ok. Ah mais non. En fait, le fait d'avoir fait ça... Ok. Attendez, il faut que j'utilise. Oh, c'est compliqué, hein. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud de fou. Donne l'alerte. Je sais que vous êtes dans le coin. Je sais que vous êtes là. Non, non, il y a personne, hein. Je vais vous trouver. Non, non, il y a personne, hein. Mais pourquoi ? Je vais vous trouver. Je vous trouverai, espèce de mixi. On va vous avoir. Goûte ça. Vas-y, mais je peux rien faire, hein. Je peux rien faire en essayant d'être furtif, ça marche pas. Ok. C'est bon ? Ok. C'est là-bas au fond. Alors on va passer par où ? Quoi ? Monsieur, j'ai entendu des bruits étranges. Non, il n'y a pas du tout eu de bruit étrange. Des salles du tourmenteur. Un vrai monstre, celui-là. Ouais. Je suis d'accord, depuis le début, les PNJ disent exactement la même chose, c'est un truc de fou par contre. Les superviseurs sont furieux parce qu'ils le suspectent de pratiquer la sorcellerie. Mais le régent leur a ordonné de le laisser tranquille. Encore une fois, gardez vos distances. Vous inquiétez pas pour moi. Ok. Les parages ont pas l'air très sûrs, en effet. Ok, faut que j'aille là-bas. Non mais faut que j'aille là-bas. Station émettrice. Pourquoi je dois aller à la station émettrice ? Attends. On va regarder les tâches. Trouver la station émettrice. Trouver les quartiers du tourmenteur. Tuer le tourmenteur. Ok. Station émettrice. Alors, attends. Le tourmenteur. Au pire, on va au quartier du tourmenteur et ensuite on va à la station. Quoi ? Bah cool, un truc en moins à faire. Mais qui l'a tué ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quoi ? Il se passe des trucs vraiment bizarres, hein. Ok. On va aller ici. Mais on peut savoir qui a tué le Lord Régent ou pas. Parce que bon, il est quand même mort et j'ai rien fait. Et un PNJ est mort sans moi.
toutou, mais allez, voilà. Ah bah, toi t'es je suis désolée, mais je crois que j'ai plus grand chose à faire de toi. Vraiment. Oh mon chéri, dans la cave, tout est si effrayant. Pourquoi ne viens-tu jamais me voir? Comme tu étais ici, quand tu étais ici, nous les faisions crier, n'est-ce pas? Reviens me rendre visite et je t'offrirai quelque chose de gravé et de brillant. Tu n'as pas grand intérêt du côté de la conversation, mais j'adore te regarder travailler. Reviens et je te raconterai des histoires, une belle histoire. Ta grand-mère, mon Dieu, quelle famille de ravagés! Te voilà, Corvo, entre les hauts murs de la forteresse ennemie, l'odeur du sang planant encore dans l'air. Mince. Je sais pas ce qui s'est passé pour Lord Régent, hein, les gars. Tu sais, le Lord Régent aurait pu se battre plus vaillamment. Mais en vérité, il savait qu'il méritait de mourir. Ce fut sûrement terrible pour un homme si anxieux de voir la peste devenir incontrôlable, et les gens dans les rues perdre la raison et mourir du sang dans les yeux. Mais non, je ne vais pas te dire qu'il mérite de la compassion. Le pire a dû être de s'avouer que tout était de sa faute. Pendant que tu traquais ces hommes l'un après l'autre pour parvenir jusqu'à lui, il a dû réaliser... Ah, il a mis fin à ses jours. Son plan était inutile. Et cela a dû être... Oh non, être c'est Mamie Chiffon et Lina. Terrifiant. Attends, mais il a mis fin à ses jours, le Lord Régent, en fait. Et c'est Mamie Chiffon, la mamie de lui. Non, mais elle est ravagée, hein. Famille de ravagés, vraiment. Vraiment. Des ravagés. Mais du coup... Bah ok. Station émettrice. Je lui avais dit de garder les enfants à l'intérieur. Je lui avais dit. Ok. Ok, ça c'est good. Quelque chose t'a fait peur? Lâche-moi. Hein? Y'a rien. Allez, je sais que vous êtes là. Oh, vas-y, je m'en fous. Nous, on... Voilà. Hein? D'abord, on va courir. Fumier. Fumier. Mais quoi? Mais la station... Donnons-le au chien. La station Tesla. Mais oui, il s'est suicidé parce que... Parce que quoi? Parce qu'il savait que j'arrivais, non? C'est pour ça qu'il s'est suicidé, non? Pourquoi? Ok, donc là, on a ça, on a ça. Ok, on remonte. On va essayer de pas se faire choper. Je vais essayer. Essayer, hein, on a bien dit. Par contre, faudrait que je fouille un petit peu. Parce que j'ai plus rien. On va fouiller. Je propose qu'on fouille. Voilà. Ça fait trop longtemps de quoi? Que je suis là pour aller le chercher? Non, pourquoi il serait mort en fait? Je veux bien savoir, hein, ça m'intéresse. Ah! Ah, ok, tu penses? Et vu que j'ai beaucoup tué, en vrai j'ai pas tant tué que ça, hein. C'est juste de la merde, mais j'ai pas tant tué. Pourquoi mon mana il se régénère pas? Pourquoi mon mana se régénère pas du tout? Je comprends pas pourquoi mon mana se régénère pas. Du coup, on a la possession, on a la rafale. Ouais. Ah, c'est possible alors. Je sais pas, ceux qui ont jamais eu ça, pareil. Vous aviez joué en mode fantôme non létal et tout. Ou psycho, toi qui as platiné le jeu.
Ça t'est déjà arrivé? Il faut apporter ce plateau au bourreau. Enfin, à l'interrogateur royal. Oh non, pourquoi ça tombe sur moi? Il est inoffensif, sauf si tu dois être exécuté ou bien interrogé. Il est bizarre. Toujours à travailler sur quelque chose de secret, sans compter son monstre de clébard. Crois-moi, il est plus doux qu'un agneau. Allez, ça va refroidir. Mais écoutez, voilà, moi je l'ai fait se suicider, hein. Moi j'aimerais bien aller au-dessus là. Si je passe ici. On est juste au-dessus. Ok, il faut vraiment que j'aille là-haut. Il faut que j'aille là-haut. Oh non! Nécessaire clé de la station émettrice? Mais comment ça, j'ai pas la clé? Il faut que j'aille plus haut. Il faut que j'aille plus haut. D'accord, attendez. À moi, la carte! Tu es le cible pour. Moi, au début, je pensais qu'il était mort à cause de ça, qu'il avait marché. Et que du coup, vu que j'avais modifié ça, il était mort. Que quelqu'un vienne ici. Un alerte. Comment je peux faire? Elle est où la clé, la station émettrice? On va se soigner. Ok. Bah je comprends pas, je ne sais pas. Donne l'alerte. Quelqu'un pour m'aider. Ok, toi t'es mort. Par contre, vraiment, hein, qui a la clé? À moi, la carte. Ok. Ok. On part par là. Hein? Non. Non, y'a personne. Y'a personne. Qu'est-ce qui se passe? Coucou. À la salle. Prenez ça. Vas-y, moi je tue les gens, c'est pas grave, hein. Voilà. Allez, bisous. Voilà, comme ça on n'a plus de problème, on peut y aller. Sauf que là, c'est pas du tout là où je veux aller. Où est la clé? C'est vrai. Les grands esprits se rencontrent. Ouais, t'as fait le jeu en 2012, donc forcément, tu te souviens pas de tout. Hein? Voilà. Donne-moi ça, là. Hein? Que quelqu'un vienne ici. Vas-y, meurs! Voilà, merci. Ça, on fait ça.
J'ai toujours pas la clé, hein. Il me faut la clé. Encore ? Confie. Voilà. Bisous. La clé. Où est la clé ? Ici ? Non, pas du tout. Oh, moi, ça y est, hein, ça part en massacre, hein, y'en a marre. Hein. Mon frère. Ah, c'est Martin. Je ne peux que m'inquiéter de ce... Ouais, bon. Ok. Bonjour. Je suis à la recherche d'une clé. C'est un carnage que je suis en train de faire. Un carnage. Et pourquoi tout à l'heure j'ai pu y aller et là j'ai pas pu y aller ? C'est parce que j'ai pas tué la bonne personne ? C'est ça ? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait où est la clé ou quoi ? Pas du tout ? Peut-être aller là-bas ? Ah ok, je vois Elina. Ok, ok. Bah tant pis, hein, la station émettrice... ça sert à quoi ? Pourquoi la station émettrice ? Trouver la... Pourquoi ils veulent que je trouve la station émettrice ? Bon, je sais pas. Allez, on y va. Mais quoi ? Mais mec, t'es pas censé... C'est bon ? Voilà, on arrête de m'embêter maintenant. Ok. La station émettrice, elle est où ? Et non, mais je peux pas y retourner. Maintenant que je suis sortie, je peux pas y retourner. Bon, bah, faut que j'aille voir Samuel. On va se dépêcher. Ok. 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 Bonjour! Merde. Mais non, mais... Mais Nami, fais un effort, il y avait de l'électricité là. Nami speedrun. Ok, on y retourne. Ok. Ok. Là, ils me font du mal, tout va bien. Ok. Vas-y, balai concours. Je sais même. Bonjour. Oh non. Oh non. Ok. Ok, 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 ok. Heureusement qu'il y a ça, hein. Oh non. Ok, allez. Non. Vous pensez que je peux sauter ? Ok, je peux. Bah c'est bon, c'est good, voilà, c'est tout en fait. Fallait juste sauter
dans l'eau et voilà, tant pis pour la mission annexe. À un moment donné, on peut pas tout faire. C'est terminé. On doit déjà tuer le Lord Régent. Ça a été dur de le tuer, le Lord Régent. Merci à vous, Corbeau. Bon, allons-y. Civil tué un, cadavre ok, faible, ouais. Ouais, bon, c'était un peu la merde quand même. Hein. Un petit peu la merde. Ah ouais, il reste pas grand chose. Non ! Il reste pas grand chose du jeu ? Arrête. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il restait beaucoup. Non. Ces changements, ça m'inquiète pas mal pour être franc. C'est toujours le menu fretin dans mon genre qui truque. Mais cette fois, ça peut être différent. Le Lord Régent est hors d'état de nuire et l'abbaye a un nouveau grand superviseur. Notre travail est presque fini. Les autres sont au bar. Sans doute en train de trinquer à votre santé. Moi, je vais rester. Ah, il me reste une bonne partie, hein. Réfléchir à des trucs tant que j'ai un mot. Ouais, mais je suis sur la fin, c'est-à-dire combien d'heures environ de jeu ? Parce que je vous rappelle que j'ai prévu que ça pour jeudi, hein. Ou si jeudi je lance et qu'il reste qu'une heure. Ouais, quelques heures, ok, non, mais ça va alors. Corvo, tout le monde parle de tes exploits ce soir. C'est vrai ? C'est bien demain qu'on part. Je n'ai pas très envie de retourner à la tour. Ils m'applaudissent ! Bon sang, ok, profitons ! La nouvelle se répand dans toute la ville. Le tyran est mort. Demain à 7h, Émilie montera sur le trône. Et ensuite, nous laverons votre honneur et mettrons tout en œuvre pour reconstruire la ville. Si seulement cette ville pouvait être sauvée, Dunwall n'est plus que rat et cadavre. Je speedrun pas le jeu ! L'amiral a raison, j'en ai peur. Corvo, vous avez fait votre travail pendant que nous restions cachés. Le nôtre commence demain. Ce soir, reposez-vous. Demain, nous sacrons une impératrice. C'est moi, oui, il va se passer un truc dans mon sommeil, là. À Corvo. Je le sais. L'homme qui a permis de changer le cours de l'histoire. À Emily Caldwin. Et à l'aube d'une ère nouvelle pour Dunwall et l'Empire. Va devoir apprendre l'algèbre, le protocole, la cosmologie, bien sûr. Tu sniffes un truc, je... Es-tu capable ? Bien sûr que non. À mon sens, je dois avoir un rôle central. J'ai fait une liste des gros mots que l'amiral emploie. Mais Calista m'a obligé à la jeter. Vous me faites confiance, Calista. L'amiral Havelock sent le tabac. Tu penses que je peux lui ordonner de jeter ses cigares ? Non. Quoi ? Tu ne vas pas me quitter quand je serai impératrice ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Émilie est spéciale, vous savez. Elle a beaucoup appris. De vous, surtout. Elle vous fait entièrement confiance. Elle a appris de moi ! Ah oui ! J'espère faire une bonne impératrice. Le superviseur Martin en est sûr. Combien de robes aurai-je quand je serai impératrice ? Elle pense qu'à ses robes ! C'est pas... J'ai... Je ne sais pas si ça suffira. Oula ! Il se passe un truc bizarre, les gars. Je dois me faire tirer le portrait. Pourquoi pas par Sokolov, après ce qu'on a vécu ici. Un homme comme vous doit vouloir se poser. Bonjour, Corvo. Il se passe un truc les bizarre, Pendleton hein. Les vous doivent beaucoup. Vous pensez que Pierrot voudra se marier un jour ? Enfin, dans l'absolu, vous lui parlez plus que moi. Vous avez mérité un bon repas. Ouais. Nous trouverons ce Daude. Il fait certainement partie du cercle d'espions et de tueurs à la solde du Lord Régent. Nous avons pris le contrôle de l'abbaye grâce au chantage. La légitimité de notre gouvernement viendra peut-être. Ça sent mauvais, hein. Émilie ? Qu'allez-vous faire après ça ? Vous mariez ? Je sais pas, tu veux te marier avec moi ? J'ai hâte d'entendre à nouveau les gens rire dans les rues. Je sais qu'on est censé se reposer. Mais je n'y arrive pas. Malgré son mutisme actuel, je crois qu'Emilie est plus heureuse. Oula, attendez, il m'arrive un truc bizarre là. Hein. C'est bizarre. Je pense que ça pue un peu, hein. Vraiment
Je sais pas vous ce que vous sentez, mais moi je sens la merde là. Elina. Samuel, on dirait que tu es complètement ivre. Le poison a-t-il fonctionné? Est-il mort? J'espère bien. Il m'a coûté un mois de gage. Oui, monsieur. Corvo a cassé sa pipe. Comme vous me l'aviez demandé. Excellent travail, alors. N'oublie pas que nous avons besoin du corps. Si nous rapportons le cadavre du meurtrier de l'impératrice, nous serons accueillis en... Mais héros. C'était sûr. Oui, cela nous apportera la légitimité. Nous serons ceux qui auront sauvé Émilie et neutralisé le Lord Régent et son assassin. Tu t'occupes du corps, Samuel? Oui, amiral. C'était sûr! C'est des pourris! Vous êtes des pourris! Je suis affreusement désolé, Corvo, mais je vous ai donné que la moitié du poison. Il me regardait et c'est tout ce que j'ai pu faire. Je vous crois suffisamment costaud pour y survivre. Je vais vous mettre sur un radeau, et je me tire aussi avant qu'ils découvrent que j'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé. Oh, les traîtres. Samuel. Ils voudront se débarrasser de moi dès que je leur servirai. Oh, Samuel, t'es tellement le bro. J'espère que vous survivrez et que vous pourrez quitter cette fichue ville. Oh, Samuel, t'es vraiment le bro de ouf. Oh, merci beaucoup. Ah, déshonoré, bah oui, Dishonored, hein. Mais Samuel, tu veux pas rester avec moi, je te protégerai. C'est l'homme qui était avec l'impératrice quand on l'a tué. Empoisonné. C'est du Tivien. Travail d'amateur. Il survivra. C'est Daud qui décide. Daud ? C'est qui Daud ? Ça fait plusieurs fois qu'on entend le nom de Daud, hein. C'est... Daud, c'est celui qu'on voit dans les visions. Du coup, là, on est avec les assassins de l'impératrice. Je vais emmener Samuel avec moi, hein. Ok, ouais, on m'a mis les menottes. C'est toi, Daud. Mais non, je suis pas Daud. C'est moi, Daud. Non, je suis Corvo. Arrête. Moi, je commence à te croire, là. Non. Je suis Corvo. Je sais bien des choses, protecteur. Je connais ce tatouage sur ta main. C'est un cadeau de ton ami. Celui qui te parle dans l'ombre. Quand tu pries devant ses autels. Je suis passé par là, moi aussi. Et je sais ce qu'on ressent quand on assassine une impératrice. Mais toi, je ne te connais pas. Ni qui tu es, ni pour qui tu te bats. Je me bats simplement pour... Tu es un mystère. Et je ne peux l'accepter. Non mais, je me... Ah, je déteste ça là. C'est quoi leur problème? Ok. Te voilà enfin plongé dans un monde en ruine. Capturé par l'homme qui a tué ton impératrice, l'assassin. Oui, donc c'est lui. On t'a empoisonné et on a jeté ton corps dans le fleuve. Tes amis voulaient-ils se protéger pour que personne ne sache ce qu'ils ont fait? Ou était-ce parce qu'ils étaient à deux doigts de prendre le contrôle de l'Empire, sachant que tu ne les laisserais pas manipuler, Émilie? Peut-être autre chose. La nature humaine est ainsi faite. Salut Laura.
Attends. En fait, Lord Régent, il a pas du tout assassiné l'impératrice. Mais c'est lui qui a pris le contrôle. En fait, le Lord Régent a été manipulé comme moi, sauf que le Lord Régent, c'était juste un tyran. En fait, c'était juste un connard, mais il avait pas assassiné l'impératrice. Et du coup, c'est Dode, le connard, et les autres, là, on va les défoncer. Il est où, le rat? Il est parti, dommage. Ah bah non. Bah non. Non. Tu es mort. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'es mis sous la brique? C'est honteux. Ok. Alors déjà, on va sauvegarder quand même.